Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, je vous entends pas parler plus fort. Donc bah, comme vous l'avez vu, j'ai reçu le petit micro qui va sur ma Fini Palm, donc je vais pouvoir m'en servir un peu plus souvent, style vlog un petit peu. Et aujourd'hui, si je m'en suis servi, c'est pour vous parler de ça, un petit casque audio qui paye pas de mine, mais qui franchement envoie grave du pâté. C'est dans les premiers prix, on va en parler ensemble, on va rentrer tout de suite au TAS Atelier. Vous allez voir, pas mal de petites options. Surtout quelques petites options sympas. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais on rentre au TAS Atelier et je vous présente ça tout de suite. Vous allez en prendre plein les mirettes, ou plutôt plein les oreilles. Let's go! Bon, j'ai encore pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, mais on va parler en priorité dans cette vidéo d'un petit casque, comme vous l'avez vu, One Audio, un casque de chez One Audio. Je ne connaissais pas ce fabricant, mais là apparemment il est en train de faire ses preuves de plus en plus. Donc il m'a proposé de tester un casque et j'ai choisi le casque One Audio, le Fusion A70. Le voici, le voilà, ce petit casque. C'est pas juste un casque basique. Vous vous souvenez du Mixeder que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps? C'est déjà un très bon petit casque, mais là on est dans du casque, j'ai envie de dire bas prix, pas premier prix mais bas prix, entrée de gamme, mais qui propose un son et des options qui sont plutôt intéressantes, vous allez le voir. Donc juste avant de parler de ce petit casque, je tenais à vous dire justement que j'avais reçu cette petite base que j'avais commandée sur AliExpress, qui permet non seulement de charger, hop, elle se clipse simplement sur le Fimi, elle permet de charger, mais elle permet aussi de brancher un micro, et comme vous l'avez vu, ça fonctionne plutôt bien, ma foi, donc je vais pouvoir m'en servir un petit peu plus, puisqu'on me disait oui, le Fimi Palm, tu t'en sers pas beaucoup, et ben si, je vais m'en servir maintenant que j'ai le micro. Et j'attends bien sûr un autre micro qui se branche sans cette base, mais l'avantage de cette base là, c'est qu'on peut brancher n'importe quel micro en 3,5 jack, tout simplement. Sinon, avant de commencer, je tenais à vous reparler du live qui va se passer fin juillet, vers le 20-25 juillet, je vous en reparlerai, je vous donnerai la date exacte, bien sûr, sinon je vois pas l'intérêt de faire un live si vous n'êtes pas là en temps et en heure. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Dans ce live, je vais vous présenter moult produits, je vous parlerai de plusieurs produits, certains que j'ai déjà fait en revue, et d'autres que j'ai vraiment, vraiment hâte de tester, comme les lunettes X-Flip Modular, ça y est, elles sont expédiées, comme le Fimi X8S 2020, le nouveau Upsan Zino Lys 2, donc certains l'ont déjà vu, moi je l'avais pas testé, mais je pense que c'est une bonne chose de faire un comparatif avec le Fimi X8 SE 2020. Donc beaucoup de choses dans ce live. Dès que j'ai la liste complète des produits dont je vous parlerai, je la mettrai dans la description de la vidéo, vous pourrez voir de quoi on va parler ensemble, et il y aura pas mal de cadeaux à gagner, non pas offerts par Banggood, offerts juste par moi-même, parce que j'ai envie de vous faire des cadeaux pendant ce live, sinon ça sert à rien pour moi. Bien sûr, prochaine vidéo, le cadeau dont je vous parlais dans la dernière vidéo, je vous dis toujours pas ce que c'est, mais vous le saurez très bientôt si vous êtes là dans ma prochaine vidéo, samedi midi. Donc c'est parti, on parle aujourd'hui du petit Fusion A70 de chez One Audio. On va parler de l'aspect général. Donc c'est vrai que quand on le regarde comme ça, moi la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est le plastique a l'air cheap quand même un petit peu. Mais c'est vrai qu'on reste dans un produit de base, un produit, on va dire, entrée de gamme. On a une finition un peu vinyle sur le dessus des oreillettes. On a trois boutons ici, plus, moins et power tout simplement. On voit qu'on a une entrée jack 3,5 mm et une entrée jack 6,5 mm. Là, ça devient intéressant. Ici, vous aurez le petit LED, tout simplement, de contrôle, et là, le micro. Mais le micro, on va pouvoir le mettre ailleurs si on veut. Donc oui, un aspect cheap dans un premier temps, mais belle finition quand même quand on regarde, que ce soit au niveau des coutures de l'appareil, des tissus utilisés en simili-cuir ici. Les coutures sur le dessus, là on a une gravure One Audio de la marque, et quand on regarde les coutures en détail, on voit que c'est vraiment bien fini. On a bien sûr des bras télescopiques ici, avec une petite empreinte pour le pouce pour pouvoir pousser, et là des parties métalliques. Donc pas d'accroche, ça se fait plutôt bien. Dernière chose, on a un petit branchement micro USB ici pour la charge, tout simplement. Et on a deux articulations, une articulation qui permet de le replier sur lui-même pour pouvoir le ranger dans sa petite housse au top. Ça par contre j'ai bien aimé aussi. Et on a une articulation également à 90 degrés sur les côtés, un petit peu sur l'avant, mais 90 degrés sur l'arrière, avec bien sûr le right et le left
Donc pareil pour les petites articulations, je sais pas si ça va être super résistant dans le temps. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, j'y vais pas de main morte non plus. Donc ça a l'air de plutôt bien résister. Et pareil au niveau de l'élasticité, franchement, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de grincement. Les mousses sont super épaisses, ici, à peu près 2 cm. Des haut-parleurs de 40 mm de diamètre. Et on n'a pas de bass boost, on n'a pas de choses comme ça, ce qui fait qu'on a un son pur. Voilà, vous avez le vrai son qui sort de votre matériel audio. Pas de modification, bien sûr, vous pouvez avoir un equalizer, mais là, pas de modification, ce qui fait qu'on a vraiment un son pur et on a de la wash. Ça envoie sérieusement. Moi, j'ai du mal à le garder à fond, mais on conserve un bon son. Il n'y a pas de crépitement, il n'y a pas de grésillement, il n'y a pas de saturation. On a vraiment quelque chose de propre, même avec un son élevé, vous allez voir. Mais je vous montre déjà avec quoi il est fourni et les différentes options possibles. Donc vous aurez avec un superbe petit sac One Audio. J'ai l'impression que c'est la même matière qu'il y a que le simili-cuir qu'on retrouve sur le casque en lui-même. Donc une petite sacoche pour pouvoir transporter facilement votre casque. Vous aurez également le petit câble de chargement micro USB. On aura un câble 3 mm 5 qui fait 1,50 m. Donc pas très très long, mais c'est plus le câble qui va vous servir à brancher au téléphone que vous aurez dans la poche, bien sûr. Et un câble de 2,80 m ici. Je ne l'ai même pas complètement déplié. Voilà. Et un câble, on voit que c'est de la bonne qualité, hein, avec une petite gaine silicone. Avec un embout en 3 mm 5 et un embout en 6,5 mm et un câble, ce qu'on appelle un câble américain. Hop, ici, petit ressort, donc on a de la marge. Et vous allez me dire à quoi ça sert tout ça, et ben je vais vous le montrer. Donc bien sûr c'est un casque Bluetooth, donc on va commencer par le connecter au Bluetooth. Vous allez pouvoir l'utiliser sans l'alimenter. On va lancer de la musique. C'est parti. Et on va simplement brancher le casque. Et voilà, donc là ça fonctionne directement. Je vais mettre le son à fond. Voilà, donc là on est à fond. Vous voyez, c'est assez étanche, les oreillettes sont collées l'une à l'autre. Maintenant si j'écarte les oreillettes, vous voyez la puissance qu'on a. Là je vous assure que ça sur les oreilles, c'est violent, c'est impressionnant. Est-ce que je peux faire un comparatif avec le Mix CDR? Donc voilà la différence avec le Mix CDR. Donc là, je vais rester à la même distance. Là, je le mets devant ma casquette. Donc là, je suis à fond sur le téléphone. Ça, c'est la première fonction. C'est la fonction casque avec fil. Donc, pas besoin d'alimentation, pas besoin de batterie. Au niveau de l'alimentation, il donne 25 heures d'autonomie en musique et jusqu'à 20 heures d'autonomie en fonction téléphone, parler, bien sûr. Donc, j'ai testé. Le micro fonctionne bien. C'est pas de la haute résolution pour le micro, mais ça fonctionne bien. Ma femme m'entendait bien. On a pu discuter et on s'est compris. Alors que des fois, en se parlant, on se comprend pas. Donc, on va se connecter au Bluetooth. On va simplement maintenir le bouton du milieu et on va voir le petit LED qui va se mettre à clignoter ici en rouge et bleu. Donc là, il n'est pas là. Je fais une nouvelle recherche. Tac, je vois que quelque chose est arrivé. Voilà le One Audio A70. Et là, donc on voit que ça clignote rapidement. Tac, automatiquement, c'est connecté. Donc bien sûr, je peux lancer la musique. Voilà, on est connecté. Donc on va pouvoir augmenter le volume en cliquant plusieurs fois sur le plus. Voilà, là on est au maximum du volume. On peut faire pause en appuyant simplement sur le power. On peut relancer la musique. Et on peut bien sûr aller au morceau suivant ou au morceau précédent, simplement en maintenant le bouton plus ou le bouton moins. Voilà. Donc on va faire pause. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les différentes applications. Donc, comme je vous disais, on a deux sorties. La première va nous servir à quoi? Eh bien, on va pouvoir partager sa musique simplement. Donc, soit avec le petit câble audio, soit avec le long pour avoir plus de distance. Et on va pouvoir partager sa musique. D'ailleurs, je vais relancer tout de suite. Voilà. Donc là, on a le son ici. Je vais mettre au maximum. Et je vais pouvoir connecter le deuxième casque. Ici, vous voyez, si je ferme celui-là, parce que là on entend les deux d'un coup, tac, on a le Mix CDR qui fonctionne. Et là,
Alors voyez, s'il y a celui-ci à côté, on n'entend presque plus de mixer d'air. Voyez la différence de puissance de son. Donc c'est énorme. Hein. Donc je vais baisser un peu. Donc voilà, on va pouvoir partager sa musique simplement avec ce câble-là, avec un deuxième casque branché, que ce soit la musique d'un film, ou, enfin un film ou la musique de son smartphone. Donc voilà la première application. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire avec ces deux câbles, c'est qu'on va pouvoir avoir deux sources musicales. Pourquoi ? Vous allez me dire à quoi ça sert ? Eh bien, ça va servir au DJ, ça va servir à des personnes qui jouent de la guitare, par exemple. Vous allez pouvoir mettre de la musique d'une source musicale, donc d'un téléphone, par exemple, et de l'autre côté, brancher une guitare, tout simplement, ou un micro amplifié pour pouvoir chanter dans vos oreilles. Donc là, je vais vous faire la démonstration simplement avec deux smartphones, donc deux sources audio différentes. J'ai piqué le téléphone de ma femme. On va aller sur une chaîne bien connue, Taskiller 85. On va lancer une vidéo. Et maintenant, on va pouvoir brancher nos deux appareils. Donc, je vais relier le smartphone de ma femme sur le jack en 3.5 et mon smartphone à moi sur le jack ici. Donc, je vais lancer la musique de ma femme. Je vais monter le son. Donc là, on a la petite chanson de Taskiller 85. Et de l'autre côté, je vais lancer la deuxième musique. Donc si je baisse le son, on va pouvoir mixer. Voilà, là je vais lancer une musique, pareil, de NCS sur le téléphone de ma femme. Donc là on est à fond et on entend bien la deuxième musique de mon téléphone. Tac, je coupe la musique de mon téléphone, je la relance. Je coupe le deuxième. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, on peut avoir deux sources directement sur ce casque. Donc ça, je trouve ça assez sympa, assez original. Donc des petites options intéressantes pour ce petit A70 Fusion de chez One Audio. Franchement, voilà, moi j'aime beaucoup. Pour le prix, je trouve que c'est un super petit engin. Je sais pas si ça va marcher avec ma casquette. Là, si, ça fonctionne bien. Donc vous voyez, l'étanchéité, là j'entends ce que je dis, bien sûr, heureusement, parce que ça résonne dans mon crâne vide. Mais sinon, on a vraiment une superbe étanchéité. Au niveau du confort, c'est impressionnant aussi quand on voit la taille de la mousse qui est sur le dessus ici. On n'a pas une grosse pression sur les oreilles, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir écraser un petit peu. Ne serait-ce que par rapport au mixer d'air qui avait une mousse beaucoup plus fine ici, que ce soit au niveau des oreillettes. Hop. Que ce soit au niveau des oreillettes ou au niveau du support de tête ici. Et pareil, on a un casque qui est moins lourd. Je ne l'ai pas fait, mais on va le faire ensemble parce que je le sens dans la main. Donc le mixer d'air, par exemple, faisait 272 grammes. Là, je suis sûr que je suis en dessous. Voilà, on est à 244 grammes. Donc on a 35 grammes, 30-35 grammes de différence entre les deux. Mais ça se sent entre les épaisseurs de mousse plus le poids qui est allégé. Ben franchement, on a quelque chose de vraiment confortable sur les oreilles. Et encore une fois, qui envoie gravement du pâté. Ça, vous pouvez me faire confiance, ça envoie violemment. Le site One Audio, franchement, ils sont réactifs. Vous pouvez communiquer avec eux. Posez-leur une question avant d'acheter si vous voulez. Comme ça, vous allez voir. Et ils proposent un service de garantie également. Ce sera fourni à l'intérieur, mais sur le site, vous pouvez avoir une extension de garantie de 24 mois gratuitement. Il suffit de vous inscrire sur le site tout simplement. Donc je vous mettrai moi le lien sur Amazon, il était en promo Amazon, je vais essayer de vous trouver un coupon. Il vaut 40-45 euros sur le site One Audio et il était en vente flash à 29,90 € sur Amazon. Je crois que la vente flash est terminée, je vais essayer de vous avoir des coupons. J'ai demandé à One Audio, mais sinon pour 45 euros à peu près, il vaut déjà le coup, je pense. Donc si on arrive à l'avoir à 30 balles, eh ben c'est encore mieux. Ça a beau être de l'entrée de gamme, ben franchement ça reste plutôt correct et propose des options assez intéressantes, je trouve. Pouvoir partager la musique, pouvoir brancher deux appareils, je trouve ça assez sympa. Pareil, on peut y brancher un micro. C'est une entrée casque sécurisée, donc comme vous le voyez, il y a un petit cran ici. Donc vous allez rentrer un casque ou un micro
tac, et ensuite verrouiller pour pas qu'il y ait, pour qu'il n'y ait aucune chance de débrancher pendant l'utilisation. Mais vous allez pouvoir, les gamers connaissent, brancher un micro sur le site. Il y a des options, vous pouvez racheter des oreillettes, vous pouvez acheter des micros, vous pouvez acheter un petit peu tous les câbles dont vous aurez besoin, et on peut le transformer en casque de gamer. Voilà, moi j'ai un vieux petit micro DJI que j'ai branché ici, et ça fonctionne lors d'un appel, le micro marche, donc ça marchera aussi en casque de gamer. Donc voilà, petit casque, franchement, plein d'options sympas qui fonctionnent plutôt bien et qui envoient ceux qui en veulent, ils en auront. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Je sais, c'est pas du matériel radiocommandé, mais vous le savez, je partage ce que j'aime. Ceux à qui ça ne plaît pas, zappez et puis c'est tout, mais vous raterez quelque chose, ça c'est clair. Donc ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Vous aurez les liens et certainement les coupons, je vais essayer. Et puis ben moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! Et la prochaine vidéo, c'est un concours. Ouais!